Monsieur le Président, un individu réellement intègre et transparent ne se fait pas prendre la main dans le sac continuellement comme ce premier ministre. Ses manques de jugement abondent quand je pense à ses petites soirées pour les privilégiés à 1 500 $, pour des accès en privé ou ses voyages en hélicoptère qui contreviennent aux règles. Plus nous apprenons à connaître ce premier ministre, plus nous reconnaissons qu'il se pense au-dessus des lois. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut arrêter de pratiquer l'art de la conscience élastique et faire preuve de transparence et d'intégrité dans toutes les décisions importantes qu'il a à prendre pour l'intérêt de tous les Canadiens? Bravo! Madame Bigot du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous travaillons toujours dans le meilleur intérêt des Canadiens. C'est pourquoi nous avons réduit les impôts sur la classe moyenne. C'est pourquoi nous donnons plus aux familles avec les enfants qui ont besoin de plus. Le premier ministre a dit plusieurs fois qu'il répondra à toutes les questions que le commissaire lui posera. Merci, Monsieur le Président.